préfère que quand on est bien, parce que voilà, quand on est bien, on joue un peu plus libéré. C'est vrai que des fois, c'est un peu plus difficile quand on est en bas du classement. Mais bon, c'est à nous de, comme j'ai dit, à nous de faire les choses bien. Non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai fait les soins qu'il fallait, je me suis bien rétabli. Ça va très bien pour moi pour l'instant. Et non, j'ai pas de souci avec ça pour l'instant. C'est dur mentalement, mais bon, après, je sais que ça fait partie du foot, les blessures. Faut travailler. J'ai beaucoup travaillé en salle. Voilà, après, j'étais quand même au quotidien avec mes coéquipiers. Je vivais à travers eux les matchs, on va dire. Je regardais les matchs qu'ils faisaient. Et non, je trouve que ça s'est plutôt bien passé pour moi cette convalescence. Pas trop long finalement. Il était long, c'est vrai. Cet été, c'était vraiment long. Ils étaient tous sur le terrain. Moi, j'étais en salle. Compliqué à vivre. Mais voilà, ça fait partie du foot. Et faut faire avec et aller de l'avant. Sinon, si on reste focus sur soi-même. Comment dirais-je? Si on reste focus sur soi-même et en traversant tout mal, en fait, c'est un peu ça. On peut le vivre très compliqué, en fait. Ça peut être très compliqué. Ouais. Bah, revenir sur nos bases, ce qu'on faisait de bien, ce qu'on fait de bien aussi, parce qu'on fait des choses plutôt bien, hein, quand même cette année. Voilà, comme je dis, il nous manque vraiment cette efficacité aujourd'hui. Si on arrive à être efficace devant le but, soit tout le monde, attaquant, au milieu, n'importe qui. Hein. Voilà, si on arrive à être efficace, je pense que on pourra gagner de nombreux matchs. Après, pour mentir, j'ai pas beaucoup regardé Angers, même si je sais qu'ils ont des très bons joueurs, on les connaît, ils ont pas beaucoup changé quand même d'équipe. Ouais, on connaît Azine, Sofiane Boufal, on connaît tous en Ligue 1 maintenant, on sait que c'est un très bon joueur. Voilà, sur les côtés, ils sont forts en 1 contre 1, dans les duels aussi. C'est l'une des équipes qui joue le plus de duels, je crois, en Ligue 1. Voilà, c'est à nous de faire qu'ils ne soient pas mis en avant leur équipe, en fait.